tout le monde. Donc je me suis avancée. Ça, je l'avais oublié par terre, près du radiateur. Donc, je me suis avancée, j'ai fait 4 pages doubles, donc collées. Je sais pas ce que je vais encore faire. Peut-être des triangles et puis des angles. Là, je vais faire un triangle. Tiens. 2 triangles. Un haut et un bas. Là, je vais faire un angle. J'étais pas au milieu. Là, je suis au milieu. Je vais ressortir ma colle. Parce que comme je suis pas là demain, j'emmène mes affaires avec moi. Donc, pas de vidéo demain, et puis ah bah il sera tout blanc celui-là, bon, c'est pas grave. Ah d'accord, ah bah dis donc, j'ai eu de la super glue dessus. Et t'en trouves. Voilà, on va laisser sécher. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire?
faire une enveloppe. Enfin, un mini dossier. Je crois que c'est la première fois que j'en fais avec une feuille double. Alors, je vais puncher. Ça veut bien. Ça, c'est de la colle à bois. Hein. Ultra forte, prise rapide. Donc voilà ce que ça donne. Donc les angles, pas la peine de vous les décrire. Ça c'est repassé. Il me reste un. Vers quoi? Les angles. Hop. Hop là. Bon, je vais les asperger. Pas celui-là. Celui-là, celui-là. Et celui-là.
panique, j'en ai encore. Voilà. Sec. Deux sec. Bien le rendu que ça donne. Et alors là, voilà, c'est un mélange de café et thé, donc ça se voit moins. Voilà, j'ai encore plein de café sur moi. Bah, le temps que ça sèche et que je vous présente les photos des rendus, j'ai fait trop de choses. Je vais m'arrêter là. Bon, le 4 mai, réouverture des écoles. Maternelle et primaire. Il faut que je note où est-ce que j'ai mis. Voilà. Mon stylo. Que je note la taille des dossiers et des cahiers.
après je la laisse là. Donc 9 de scrap. J'ai plus qu'à effacer ça. C'était pas si difficile là. Refermer. Je sais pas qui est Anita Saint. Donc si vous connaissez une Anita Saint, dites-le moi, parce que là, moi, là, elle m'envoie un mail. Je suis pas sûre de la personne.
pas ranger ça dans le... Excusez-moi 30 secondes, je vais à la recherche de mon pic. Ce que je peux faire en attendant, c'est des pages. Ethereum. Je vais faire des plus petits. Est-ce que ça va? Encore du petit. Encore du petit. Un peu plus grand. Petit passe pas là. Non, enfin. On va le faire aller, hein. Ça filme toujours, oui. Le silence de la nuit. Ça fait du bien. Thank you.
franchement du bien parce que il n'y a pas une bruit de voiture. Il n'y a pas le bruit des voisins. Il y a le bruit du chat par contre. Tais-toi! L'autre. Du coup, je vais peut-être pas faire du trou vu que c'est tout petit. Moi, je fasse un trou à... Voilà. Deux petits trous. Là, j'ai un peu déchiré celui-là. Celui-là, je vais peut-être faire les trous à la trouilloteuse. C'est histoire de faire passer une ficelle. Voilà. Je vais prendre ma perforatrice. La gomme. Ranger ça.
la perforatrice. Voilà. C'est une trousse qui tire. Donc pareil, si je range pas mes affaires, je les aurai pas demain. Avec au cas où j'ai besoin de noter quelque chose. Alors. Je sors la grosse artillerie. 1, 2. 1, 2. 3. 4. Alors les gants, les parties où il y a des taches. Voilà. Donc ça, c'est à mettre
près du radiateur. Pousser ça. D'autres, il y en a un qui est tombé par terre. Pratique d'avoir le radiateur derrière. Peut-être pouvoir les glisser dans les petites enveloppes. Donc j'ai ça à repasser. Des tâches et des tâches et des tâches. Il faudrait le faire. Et celui-là. J'en ai repassé, mais est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de tâches que je puisse en faire? Voilà, par exemple celui-là, celui-là, on va se servir du même endroit. Faire tomber. Là, il n'y a pas de tâche. Voilà. Ça, ça suffit. Là, il n'y a pas de tâche. Je vais m'écouter. Tiens, on va en mettre. Voilà. Et là, il n'y a pas beaucoup de tâches. Voilà. Tout ça, c'est fait. Bon. Là, il ne me reste plus qu'à repasser. On va mettre là. C'est tombé. Bon, je vous laisse, j'ai plus qu'à ramasser.